Ah, nous allons lire et puis commenter l'édito qui paraît dans la livraison nouvelliste matin, reporté signature FD. L'appareil sécuritaire va-t-il donner des résultats? Avec la décision adoptée en Conseil des ministres de nommer un nouveau commandant-chef des forces armées d'Haïti, le duo CPT-PM a complété les changements au sein de l'appareil sécuritaire. Les deux branches de l'exécutif qui ont remplacé Ariel Henry ont leur propre directeur général de la PNH, leur ministre de la Justice et de la Sécurité publique, leur propre ministre de la Défense, leur général en chef de l'armée et le premier ministre Gary Conille est chef du Conseil supérieur de la Police nationale d'Haïti et ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Cerise sur le gâteau, ils ont les 400 Kenyans de la force multinationale et tout le support de la communauté internationale. Ça, c'est sur le papier. Dorénavant, la parole doit se faire chair et la volonté se transformer en résultat. Et c'est là que les choses se compliquent. Les forces de sécurité haïtiennes disposent d'effectifs confidentiels et de peu de moyens matériels. Les Kenyans aussi. Les forces de sécurité haïtiennes ne sont pas réputées avoir des services d'intelligence efficaces ni des équipes d'entretien performantes. Les Kenyans aussi. Les Haïtiens comme les Kenyans attendent beaucoup des Américains en termes de ressources financières et matérielles. Malheureusement, la période électorale aux États-Unis n'est pas propice à une entente entre les deux partis qui se partagent le Congrès sur la question haïtienne. Il paraît même que mieux vaut faire le moins possible en Haïti pour le moment que d'essuyer une défaite. Reste ce que les Haïtiens peuvent entreprendre eux-mêmes. Et là, on se retrouve face à des obstacles divers et variés. 3 ans que cela dure. 3 ans que les gouvernements haïtiens successifs, avec l'appui des pays amis, font comme si la sécurité est la principale priorité du pays, sans mettre sur la table tout ce qui serait nécessaire pour aboutir à la paix ou pour gagner la guerre. Les nouveaux responsables des dispositifs impliqués dans la sécurité vont-ils donner des résultats? Il faudra de la patience et de la vigilance. Baisser les bras est si facile. Franz Duval, FD, bonjour. Bonjour, monsieur Sénat. Bonjour, monsieur Alphonse. Bonjour, monsieur Geoffroy. Bonjour, Gaël, Liver, Germina, docteur Edmond. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. C'est un plaisir pour nous ensemble matin. Plaisir partagé. Bonjour, monsieur Duval, conseiller des ministres. Gain nomination au nouveau commandant-chef des forces armées d'Haïti. Oui. Et il a adopté hier en conseil des ministres ses décisions nommées au nouveau général en chef qui parle commandant-chef des forces armées d'Haïti. Et son monde qui était déjà dans haut état-major là, son promotion. Et bon, ça veut dire que duo CPT-PM, non, il complétait tout changement dans l'appareil sécurité pays. Hein? Et deux branches exécutives, le monde qui remplace Ariel Henry, il y a un propre directeur général PNH, il y a un ministre de la Justice et de la Sécurité publique, il y a un ministre défense, il y a un général en chef l'armée. Premier ministre Conille, c'est le chef conseil supérieur police nationale, c'est le ministre intérieur et collectivité territoriale. Ou bien, la capi belle toujours, contrairement à Ariel Henry, il y a 400 Kenyans, poste multinational là, avec tout le support de la communauté internationale. On dit ça, c'est sous papier. Bon, oui, monsieur Alphonse, on connaît. Bon, mettez mon nom en fonction, c'est une, on y a faire au travail, faire au ben résultat, sont l'autre. Dorénavant, M. Alphonse, la parole doit se faire chair et la volonté se transformer en résultat. Et c'est là, bah, on dit, comment c'est compliqué. Effectivement. Bon, problème, non, c'est que, il a changé commandant de l'armée, mais l'armée n'a pas mis plus de monde pour autant. Il a changé directeur général de la police n'a pas mis plus de monde pour autant. Il n'a pas mis meilleur équipement pour autant. Il n'a pas mis plus bon. Bon, M. Alphonse. Son nomination qui fait seulement, mais le reste la même machine qui était disponible, ou bien pour Général Lesage, ou bien pour directeur LB. Kenya, on est même situation, M. Alphonse. Kenya, oui. Pas grand assez monde. Kenya, pas grand plus d'équipement, pas assez monde. Intelligence maintenance. Ah, parce que, pour sécurité haïtienne, yo, yo pas réputé disposer de bons services d'enseignement. Et, il n'est pas réputé non plus qu'on fait entretien équipement au bail. Parce que l'équipement entretien, on qui va le commencer, M. Alphonse? Dis-moi. C'est dans le nettoyer sous lui, on va commencer, oui? Oui. Parce qu'un policier, un militaire qui va sous lui faire le mal, qui va sous lui commencer à chirer, qui va sous lui pas un bon lacet,
On va caler dans la bataille. Non, monsieur Alphonse. Là, on dit là, c'est bon, toi, monsieur Alphonse. Souvent, là, c'est depuis là, c'est l'équipement qui défaillant. Oui. Ou on mauvais pêche aux 7 dans le quand on vient, bot, monsieur Alphonse, ou Alphonse, récupération. Les câbles sont, oui. M'a même parlé de l'autre. Là, nous qui c'est machine blindée, tank, mitraillette, baisse, etc. Depuis nous sous les chaussettes, là, M. Alphonse, l'équipement pas en état. C'est ça que fait M. Alphonse. Laissez policiers qui parlent dans bataille, laissez militaires. Mais chaque matin, M. Alphonse, il y a des gens qui passent, qui gardent, qui jouent, oui. Qui gardent ses ceintures ou bien bouclées, oui, M. Alphonse. Là où est au fait le film, M. Alphonse, c'est parce que c'est nécessaire, oui, pour le résultat. Qu'on habille conformément et que ça met, soit que soit c'est lié au tout qu'on doit mettre. Et bien c'est la même chose pour les équipements qui vendent au million de dollars. Si vous ne mettez l'huile avec un 10 sur tout pour mettre dans le à M. Alphonse, vous pouvez craser machine au million de dollars parce que vous mettez mauvais l'huile moteur là-dedans. Nous ne pas réputer fort dans l'entretien, M. Alphonse. Ni l'entretien des hommes, ni l'entretien des équipements, ni l'entretien des armes. Nous pas réputé fort dans ça. Pour le moment qu'il n'y a aucun avec. C'est métier, oui, ça, oui, monsieur Duval. Oh oui, monsieur Alphonse. Oui, monsieur Alphonse. Oui, monsieur Alphonse. C'est métier, oui, monsieur Alphonse. Et chaque section de notre troupe là, fait pour qu'on m'a occupé de bâtir ça, oui. Tout comme fait pour qu'on m'a occupé de communication, fait pour qu'on m'a occupé de santé. Là, on dit, on l'a mis pour un combattant, il y a presque 7-8 moun d'elle là, monsieur Alphonse. C'est de ça qu'on parle. Maintenant que c'est haïtien que c'est. C'est valable pour mécanicien en tant que docteur. Oui, de toute évidence, c'est clair. Et parce que ça, faut expliquer, il doit y avoir un paquet de professionnels qui pas nécessairement des âmes, mais eux qui ont tiré, qui comprennent. Haïtien, même Jacques-Kenyan, dit, ma psyto, il y a plein d'empiles de Américains, ressources financières et matérielles. Oui, monsieur Alphonse, c'est là nous tout a demandé, c'est là nous tout a obtenu, c'est là nous tout a gardé. Malheureusement, la période électorale aux États-Unis n'est pas propice à une entente entre les deux parties qui se partagent le Congrès sur la question haïtienne. Vous songez toute misère que t'es gagné, là, t'as cherché comme bouillon financer mission, afin de contre républicain, ou pas, j'aime quitter le passé. Président Biden, secrétaire d'État Blinken, obligé de faire une espèce de, comprenez, monsieur Alphonse, on va bailler, qu'on jouait, bailler trois bagailles. Tchap, tchap, tchap. Oh non, ça t'a bien, monsieur Alphonse, son tour de passe-passe. Oui, je cherche une façon spéciale pour des Nous jouons nos formules, mais formule-là, pas réussi, ben, un financement adéquat. Mais surtout, la crise haïtienne, pas réussi monter dans le niveau pour ta montée. Le président Bill Clinton a décidé de voir les troupes en 1994 en Haïti. Une des réalités dit dans le discours, c'est qu'Haïti commence à représenter un danger pour la zone. Si pas qu'à mettre français ça, non, libérer de Manouan, ou pas qu'à impliquer les États-Unis dans le bagage. Qui mandait pour défendre les États-Unis, entrer là-dedans, ou comme Américain dépenser là-dedans. Faut qu'on soit menace pour la sécurité intérieure des États-Unis. Faut qu'on soit menace pour les intérêts des États-Unis. Mais si c'est pas interne pour régler, ou pas qu'à externaliser les conflits, mais M. Alphonse, il n'y a pas qu'à entrer là-dedans. C'est réalité, c'est bureaucratie, c'est loyaux. Non, non, c'est principio. Surtout, c'est principio. Parce que Mounio, yo gen des, comme t'as dit ça là, yo gen des formules pour appliquer. Pour formule à appliquer, faut que premièrement, deuxièmement, faut qu'on qui sort maintenant mi-temps, si c'est plus, si c'est multiplié, si c'est divisé. Faut qu'on ait, monsieur Alphonse, faut qu'on ait. Si pas qu'on ait, s'il pas joindre, ça pour joindre, calcul la pop qu'a fait. Maintenant, nous avons une période électorale aux États-Unis et les dicter des comportements par rapport à Haïti aussi. Mieux vaut ne rien faire en Haïti que de venir pour une défaite. C'est position administration américaine, non, je veux dire. Donc là, il y a 3 mois là pour nous regarder là, si j'ai bien compris. Ah, 3 mois compliqués qu'à venir, M. Alphonse. Et tout dépend de monde qui gagne, reste ça plus compliqué. Mais Haïtien, yo capable des initiatives eux-mêmes. Ah oui, Haïtien capable des initiatives. Et là, nous retrouvons à chaque fois devant des obstacles divers et variés.
3 ans que cela dure, 3 ans que les gouvernements haïtiens successifs, avec l'appui des pays amis, font comme si la sécurité est la principale priorité du pays, sans mettre sur la table tout ce qui serait nécessaire pour aboutir à la paix ou pour gagner la guerre. Côté Kabila, expliquez-moi c'est ça. Mais monsieur Alphonse, ça Aboutir fait à la 3 ans paix là, ou monsieur gagner la guerre. Alphonse, ça fait 3 ans là, nous dit c'est sécurité le principal sujet. Mais moun kap gade dit, ça fait 3 ans depuis ne pas mettre sous table là les moyens qu'il faut, ni pour aboutir à la paix, ni pour gagner la guerre. Ok. Bon, si vous voulez gagner une guerre, il faut mettre nos moyens. Si vous voulez faire la paix, il faut battre tout le monde. Il faut battre tout le monde dans les deux cas. Ok. Oui, monsieur. Et vous posez une question, les nouveaux responsables des dispositifs impliqués dans la sécurité vont-ils donner des résultats? C'est ce qu'on se demande. C'est ce qu'on se demande. Bien entendu, monsieur Alphonse, comme nous pas marrer la dap-dap, il faut être patient et vigilant. Patient parce que ça va prendre du temps. Avant que chef yo comprenne qui ça est, avant que chef yo finisse à Léo, fin comprenne, fin ouais, quelles sont les ressources disponibles et quel est l'état de la gravité de la situation. Deuxièmement, il faut que nous vigilants, monsieur Alphonse, parce que baisser les bras est si facile. Bye, Vagla. Ah oui, monsieur Alphonse. Bye, Vagla, monsieur Alphonse. Bon, on va faire effort, monsieur Alphonse. Bye, Vagla. Oui, blip, là, pour qu'à baille vague. Et puis, des fois, nous baille vague, nous pas même nous compte que nous baille vague. Nous compte baille vague, et puis, nous baille menti toujours, dit, nous travaillons. Eh bien, justement, ça me donne vraiment d'eau, quand vous lisez la pensée. Mais ça, Alphonse. Mais ça, Alphonse. Nous compte baille vague, et puis, nous continuons à faire discours, dit, nous gourmet, oui. Ok, monsieur Alphonse. Sécurité et corruption, l'appel de l'initiative de la société civile. Initiative société civile qui est toujours très, ça dit modéré, mais dit que très préoccupé parce que le chef n'a pas de résultat, M. Alphonse. On invite M. Desroches, M. Alphonse. Oui, M. Sénatendez. Le bureau haïtien de normalisation homologue 4 nouvelles normes. Là, on a pour inviter pour nous faire parler de ça. Football, le championnat national de première division dans l'impasse. M. Alphonse, soit dans la politique et dans le football là. Pas un résultat, M. Alphonse. Tout bagaille bloqué, un n'est pas avancé. Fédération n'a pas réussi à faire ni changement de statut, gouvernement n'a pas réussi à faire changement de constitution. Fédération n'a pas réussi à faire élection, gouvernement n'a pas réussi à faire élection. Fédération n'a pas voulu un financement pour l'équipe, bon, même avec l'État haïtien. Et surtout, toute équipe a plein de paroles d'insécurité, ce qui est généralisé dans le pays. L'autre nouvelle encore qui a une nouvelle ce matin, qu'on a U20, Haïti éliminé. Angelo Jean-Baptiste explique l'échec. S'entraîneur équipe et garçon U21, comme je rappelle garçon U21, fille U15 pour la même qualité qu'à lui. Nous avons même ça le force. Nous dernière tête nous éliminer tout matin dans les Jeux Olympiques. Oh, ouais, Nathalie de Guéspoir, parce que nous sommes dans le pêcheur. Bon, bref. Nathalie, qui ça? Il était gay, c'est parce que je donne nos dernières têtes, non, de nos repêchages, il t'a pas compris. Combien comme Nathalie t'es bah, pour jouer à préparer? Pour le gay, c'est quoi? Oui, Jésus, je veux que l'abdomen, je m'a dit, ça qui t'es pour combien fois Nathalie t'es qu'on a le gars d'athlète là avant pour le délever le gay, c'est quoi? Bon, lui cagé, lui, mais. Est-ce que déjà me bat bravo pour athlète là déjà une fois? Ah, ça, faut me demander le bravo. Pour nous athlètes là avant les Jeux Olympiques? Ça, c'est une autre question encore. Mais ça, je pense ça va là pour Nathalie, elle va là pour tout le pays. Ah oui, moi, tout le monde, espèce de. Comme si antiosaisie et au-dessus. Non, le bas déçu, non, il a envie que nous continuions la compétition. Non, il va le déçu, la pointe qu'on a éliminé. Oui, non, ça, c'est vrai. Oui, mais nous battons rien pour ça, monsieur Alphonse. Bon, fun fair, et pas si fun fair, oui. C'est monsieur Alphonse. Bon, minimum comme si nous avons là, ou t'es parié pour gagner un bon l'état. Oui, c'est ça. Monsieur Sénam, demande à Tix ça déjà. Il y a un passé devant mon bolet. C'est 10 tirages, ou bien pas jour. Oui. Mais je veux dire, Miami. Moi, l'autre est Tennessee a tiré. Oui. L'autre est Texas. L'autre est Georgie. Oui. L'autre est New York. Oh!
Monsieur Alphonse, ou pas si longtemps. 10 tirages, Monsieur Alphonse, parce que il y a matin, il y a soir. Oui. Il y a midi, il y a soir. Oui. Bon. Monsieur Alphonse. Eh ben bon, on a joué. Où est-ce qu'il faut gagner 4 têtes, Monsieur Alphonse? Oui. Minimum, il y a 8 bonnes bolettes installées. Eh ben. En tout cas, Monsieur Sénatique, ça a son compte. Ok. C'est ton plaisir, Monsieur Alphonse. C'est ton plaisir. Plaisir partagé. David méga million au jeu, même. Non, mais. Bon, bon. Il y a pas un bon loup, il va ici. Vous vous êtes déjà promis. Vous avez pris des milliards et vous dites tout est tout viré. Mais tiens! Vous pouvez pas vous faire un rêve, vous bolette ça et vous levez un demi-million de dollars ou demi-milliard de dollars. Bon, bref.